Lelouin est complètement sorti de son lit. Il a submergé le centre-ville de cette commune de 4500 habitants. Et vous pouvez voir sur ces images le courant, l'eau qui ne cesse de se déverser et qui menace ces moulins qui sont des bâtisses historiques, la fierté de cette ville. Ici, il y a de nombreuses bâtisses culturelles. Et d'ailleurs, la plupart, les plus importantes bâtisses se situent dans ce centre-ville. L'eau donc qui a envahi le centre et qui a donc menacé des habitations, des habitants qui ont été relogés. 150 habitants ont été relogés chez des amis. Le maire que nous avons rencontré tout à l'heure craint désormais pour le toit, par exemple, de ce moulin que vous apercevez. Il a peur que ce moulin soit emporté par le courant. Alors le niveau de l'eau, il est autour de 5 mètres. On est très très proche de la crue observée en 1910, une crue centennale. Et puis ici, on parle d'une crue en 1770, également en novembre 1770, qui était un tout petit peu plus importante. En tout cas ici, les habitants que nous avons pu rencontrer sont extrêmement choqués. On en a vu certains faire leurs valises et partir dans leur famille. Ce que nous a dit le maire également, c'est qu'ici, la préoccupation première, c'est l'eau potable, puisque les pompes qui alimentent la ville ont été submergées. Donc le maire a pris une décision, il a fait commander des packs d'eau, 15 000 au total. Sa priorité, nous a-t-il dit, c'était de mettre ces gens à l'abri, des gens, donc, comme je vous l'ai dit, qui ont été relogés et qui pourraient, dans les jours à venir, eh bien, retrouver leur maison, même s'il y aura de très importants dégâts. Le maire a déjà demandé l'état de catastrophe naturelle pour sa ville.